tout le monde et bienvenue sur mon deuxième podcast en attendant la tournée. Et qu'on est février, c'est la deuxième semaine des podcasts et il y en aura 4 autres en septembre. Et celui-ci, va vous parler de la possibilité, oui, c'est bien dit, la possibilité de venir avec nous sur cette tournée-là. Alors, il y a un petit bout de temps, j'avais mis en place des forfaits voyage. Et je vais vous expliquer chacun des forfaits et comment ça marche. Alors, c'est très possible que vous soyez en France ou que vous soyez au Québec de pouvoir participer à cette tournée-là. Puis là, si vous me dites, « Ouais, mais on n'a pas de motorisé, nous autres. » Non, nous, on s'occupe d'avoir le motorisé et le chauffeur qui va s'occuper de votre séjour. Alors, ce sont des séjours de une semaine. Et c'est tout au long de la tournée. Donc, première semaine de la tournée, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Et si vous êtes de France, par exemple, alors là, ce que ça vous prend, c'est d'avoir le billet qui arrive à temps pour votre semaine au Québec. Il n'est pas trop tard, mais il est limite. Parce que la semaine prochaine, suite à cette tournée-là, je me suis dit que j'allais faire un tirage. Donc, depuis le mois d'octobre, il y a des billets qui se vendent. Et c'est la dernière semaine pour être capable d'acheter des billets qui risquent de vous faire gagner une semaine en tournée avec Michel Thor et Caroline Jonf au Québec. Alors, si vous êtes de France ou du Québec, vous allez sur le site Belle Rebelle et vous pouvez vous procurer ces billets-là, dépendamment de la date où vous êtes disponible. Ces forfaits-là vous amènent pour la première semaine sur la Côte-Nord. Donc, on fait... qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend toutes les activités. Je n'ai pas de feuille devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais annexer le forfait voyage à la fin du podcast. Comme ça, vous voyez jour après jour où vous êtes et jour après jour ce que vous faites. Et il y a plein d'activités qui s'annexent à ça. Il y a aussi trois spectacles de Michel et Caroline annexés à ce forfait. Alors, vous aurez tous les détails à la fin du podcast. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez le temps et la possibilité de vous joindre à nous. Ouais! Alors, le premier tirage se fera la semaine prochaine. Donc, dans mon podcast de mercredi prochain, on aura les premières personnes à gagner le voyage sur la Côte-Nord. Alors, je vous disais comment ça marchait. Les gens qui sont au Québec et qui possèdent leur propre motorisé, vous pouvez vous joindre à la tournée aussi. Et ça va être tellement... On va dans toutes les régions du Québec, sauf l'Abitibi, malheureusement. Mais on se promène dans toutes les régions du Québec. Alors, si vous vous dites, oui, il y a une région que je n'ai pas faite, j'aimerais bien ça le faire. Mais en même temps, vous profitez d'une tournée avec des artistes. Et ça, je ne sais pas... je suis certaine que vous n'avez jamais vécu ça, la vie de tournée avec des artistes. Moi, je l'ai vécu. C'est très intense. Alors, en ce moment, en tant qu'artiste... Et en tant que productrice de cet événement, vraiment gigantesque. Mais je sais que ça vaut la peine de le faire un jour. Je pense que vous n'aurez jamais la chance de pouvoir vivre une expérience comme ça. Être en tournée, c'est quelque chose de très spécial. Donc, il n'y a que les artistes qui peuvent vivre ça. Et là, je vous offre la chance de pouvoir le vivre avec nous. Ce ne sera pas juste des spectacles. On ne se dit pas là, qu'on va aller juste au spectacle et que ça va être rien que ça. Non, 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 non. Il se passe tout plein de choses dans une tournée. Là. On voyage, on rencontre du monde. Et c'est surtout ça, d'ailleurs, qui fait comment c'est formidable de faire une tournée artistique. Là. C'est ça. C'est les gens qu'on rencontre sur notre passage. Puis je peux vous dire que moi, cet été, j'ai fait la tournée en fait. Je suis allée dans toutes les villes où on va. J'ai rencontré les gens qui vont nous recevoir. Et mon Dieu, il n'y a personne
de tous ces gens-là qui n'étaient pas archi-enthousiastes à nous recevoir. Ça fait que vous allez vivre ça. Et pas rien, parce que c'est une production du Club des Belles Rebelles. Club des Belles Rebelles, c'est quoi? Ben, c'est mon club qui est en partance, qui est parti de mes fans. Mais aujourd'hui, dans toutes les régions où on va, il y a un président ou une présidente de club qui va aussi s'occuper de nous recevoir. Et ces gens-là, il va y avoir plusieurs personnes du club à chacune des dates qui vont s'occuper aussi de vous. Alors, quand vous êtes reçu, par exemple, si vous arrivez de la France et que vous arrivez à l'aéroport à telle date, ben, il y aura quelqu'un de Belles Rebelles qui sera là avec un minivan pour aller vous accueillir et vous amener là où on se trouvera, où la tournée se trouve. Alors, vous embarquez soit au début, soit au milieu, à la fin, dans la tournée. C'est pas important. Vous choisissez le moment qui vous convient et vous embarquez avec nous autres dans la tournée. Les gens qui sont sur le Québec, qui ont leur propre motorisé, vous autres aussi, bienvenue sur cette tournée. Alors, qu'est-ce que ça vous demande? Ça vous demande pas grand-chose, en fait. Vous nous suivez d'une place à l'autre. Moi, je trouve les emplacements. C'est sûr que les emplacements sont pas gratuits, mais c'est tellement pas cher pour vivre une expérience comme ça que c'est donné. Alors, on vous demande 300 $ pour venir nous accompagner en tournée. C'est rien. Ça comprend l'emplacement et ça comprend tous les spectacles de la tournée. Donc, si vous achetez vos billets à bord, vous les avez déjà dépensés, là, vos 300 $. Alors, mais moi, ce que je veux, c'est surtout un moment de partage. Je voudrais un mois, un gros mois, là, où on partage. Alors, oui, il va y avoir quelqu'un, des gens qui vont suivre tout le mois. Et il y a des gens qui vont embarquer au fur et à mesure des semaines. Mais ce que je voudrais, c'est vraiment là, que ces gens-là qui se sont joints à nous à ce moment-là se disent que c'est le plus beau voyage qu'ils ont jamais fait de leur vie. Et puis qu'ils disent, mais c'était formidable. Puis je pense que ça va être formidable parce que c'est un concept tellement original. Personne jamais a fait ce concept-là. Là, étant donné que j'étais la productrice de cette tournée-là, bien sûr que c'est du travail. Je travaille tous les jours depuis octobre dernier pour octobre cette année. Donc, tous les jours, je consacre mon temps à cette tournée qui comporte tellement, tellement de choses. Alors, c'est sûr que je n'ai pas focusé sur les forfaits voyage parce que c'est du travail de plus, mais les forfaits voyage existent et je voudrais vous en faire bénéficier parce que je vous le dis, vous allez triper complètement. Alors, il y aura les tirages aussi. Donc, je me suis dit, les gens de France là, ou les gens du Québec qui n'ont pas de motorisé, mais qui se disent, oh mon Dieu, j'aurais donc bien ça aimé faire partie de la tournée. Alors, à ce moment-là, moi, je loue le motorisé et je loue le chauffeur. Et vous pouvez nous accompagner. Alors, pour 1 000 $, vous faites une belle semaine avec nous. En motorisé, vous pouvez partager le motorisé à 4 personnes. Donc, 4 ou 6, dépendamment si vous êtes un groupe. Alors, venez-vous-en, il y aura de la place pour vous. Et là, je vais cesser de parler pour vous présenter les forfaits voyage. Donc, je vais les mettre à l'écran. Comme ça, vous allez voir. Et des petites vidéos qui vous montrent ce que ça sera. Donc, la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, j'ai un court vidéo qui va vous montrer où vous allez, ce que vous allez faire. Et si vous voulez plus de détails, parce que là, je ne vais pas m'éterniser dans ce podcast, si vous voulez plus de détails, eh bien, vous pouvez me téléphoner. Les coordonnées sont là, juste là. Et maintenant, je vais parler des billets de spectacle. Alors, si vous ne pouvez pas vous joindre à la tournée, ce qui est très possible, parce que ça prend de la disponibilité. Oh oui, aussi.
avant de terminer là-dessus, s'il y a des gens qui sont à la retraite, puis qui se disent « Oh, moi, j'aimerais ça faire partie du Club des Belles Rebelles, j'aimerais ça, moi, participer à ce club qui… » En fait, le Club des Belles Rebelles, ce que ça va faire, c'est que ça va… c'est un club de partage, un club de générosité, où c'est des gens, la plupart du temps, retraités, parce que si on veut faire des choses comme ça, il faut avoir du temps. Donc, ces gens-là ont envie de partager, ont envie de donner de leur temps, de leur énergie, parce que ça va en prendre beaucoup d'énergie. Alors, en ce moment, j'en ai beaucoup, là. J'ai beaucoup de belles rebelles là, qui sont mindées, là, qui ont la philosophie belle rebelle. Avec ce club-là, j'ai la première chose que je fais d'événement gros, c'est celui-là. C'est la tournée avec Michel Thor. Mais, c'est pas le dernier. Vraiment pas le dernier. Si vous voulez vous joindre à ce club qui va faire des affaires fantastiques, alors moi j'ai l'intention d'amener le club en France. Là, c'est tout le, là après cette tournée-là, moi je pars là-bas. Et on verra parce qu'il y aura des belles choses qui s'en viennent. Et bon, des voyages, des événements comme celui-là, des croisières, des événements humanitaires. Moi, ce que je voudrais bien, là. Oui, bien, je vais en parler, tiens. Le podcast me permet de parler de ce que je veux. Alors, maintenant que je vous ai parlé des forfaits, je vais vous parler de ma mission humanitaire. Si j'avais beaucoup, beaucoup de sous. Ouais. Parce que moi, l'argent, c'est pas très important. Moi, ce que je veux, c'est réaliser des rêves, faire des folies, avoir du fun. Moi, je sais que j'arrive à un certain âge et que j'en ai plus à l'arrière qu'à l'avant. Mais ce qui me reste à l'avant, je veux que ce soit le plus beau de ma vie. Et je veux que ce soit ça. Et le Club des Belles Rebelles, ben, c'est du monde qui pense comme moi. Alors ça, oui, on a besoin de sous pour réaliser certaines choses, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que quand on est solidaire, puis, quand on veut des choses, on réussit à l'avoir. Alors là, je vais m'adresser aux commanditaires, aux personnes, aux donateurs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi, puis qui ont des sous, eux autres. Et ils se disent, ben, pourquoi faire du bien avec mes sous? Alors, ben, regardez, pensez au Club des Belles Rebelles, parce que Club des Belles Rebelles aussi. Alors, dans cette tournée-là, ce que je vise, j'aimerais bien que les salles soient pleines. Mais il y a des gens qui disent que c'est un peu dispendieux pour certaines personnes. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir un billet à 65$. Mais ces gens-là, j'aimerais ça, qu'ils puissent quand même profiter de ce spectacle. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui m'entendent en ce moment, qui ont des sous, puis qu'ils se disent, ben, de toute façon, il faut faire des dons, il faut faire des commandites, c'est mieux ça que de donner tout aux impôts. Alors, s'il vous plaît, pensez à moi qui a vraiment envie de faire des gestes humanitaires. Ces gens-là qui peuvent pas venir, comme les handicapés intellectuels ou physiques, les personnes âgées qui sont plus seul, je veux organiser leur transport jusqu'au spectacle. Mais ça, je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de gens qui vont m'aider là-dessus et de financement, bien entendu. Alors, je m'adresse à vous autres. J'espère que vous m'entendrez puis que vous vous direz, ah oui, moi aussi. Moi aussi, je vais être une belle rebelle. Puis là, quand je dis belle rebelle, là, je parle de... C'est au féminin. Mais c'est le Club des Rebelles, parce que dans mon club, il y a autant d'hommes que de femmes. Vraiment. Donc, c'est pas féministe, là. C'est juste des personnes bien dans leur tête et dans leur cœur, surtout. Je vous invite donc, et voici, c'était le podcast pour cette semaine. Et à la fin de ce podcast, il y aura les gens, un tirage, des gens qui ont participé à partager le podcast, en participer à partager mes informations. Alors, plus on partage, ben plus c'est diffusé, plus on me voit, plus on m'entend, et plus il y a des gens qui s'allient à nous, et plus on va avoir de fun.
C'est tout simplement ça. Le gros but de ça, c'est une grosse mission de partage et d'amusement, bien entendu. Alors, c'était le podcast du mercredi 28 août. Et le 4 septembre, c'est le tirage du premier forfait voyage. Alors, dépêchez-vous à acheter vos billets sur le club Belle Rebelle. Il faut acheter vos billets si vous voulez risquer de gagner, soit une semaine. Il y a 4 tirages, hein, 4. Dans les 4 prochaines semaines, il y a un tirage par semaine. Donc, premier, c'est la Côte-Nord. Si vous voulez aller sur la Côte-Nord, dépêchez-vous à acheter vos billets sur le club des Belles Rebelles. Comme ça, ben, ça va aider le club à pouvoir réaliser leurs rêves, puis à pouvoir faire des gestes que les gens seront heureux de recevoir. Bon, ben voilà. À la fin du podcast, on fait le tirage des gens qui ont partagé le podcast. Alors, continuez à partager et à m'aider sur ma mission. Salut tout le monde! Dans le podcast, je laisse toujours une place pour mes commanditaires. Et pour ce podcast, le deuxième, c'est Mike Charlebois. Et la Radio Centre-Ville, Mike Charlebois va devenir un partenaire avec moi. C'est un animateur très écouté et très apprécié. Alors, je vous dis, ne manquez pas ses émissions. Il est sur les ondes de Radio Centre-Ville, qui est le 102,3 Montréal, mais qui est diffusé un peu partout. Alors, Mike deviendra partenaire avec moi pour les pubs télé. Je le remercie infiniment. Et en même temps, ben, je m'adresse à vous. Si vous voulez devenir partenaire avec moi, vous aurez votre petit topo dans mes podcasts. Eh bien, c'est l'heure du tirage. Alors, je vous ai dit au premier podcast que tous ceux qui partageraient mon podcast et les autres, ceux qui viendront, ben, auront droit à un tirage. Il y a eu 114 personnes dans mon beau chapeau argenté. J'ai mis leur nom. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, il ne faut pas que ça tombe. Attendez un peu. Bon. Et j'ai fait le tirage et on va parler à la personne par la suite pour lui annoncer qu'elle aura gagné des billets de spectacle de Michel Thor et moi pour sa région. Est-ce qu'on y va? Qui c'est qui pige? C'est pas vous autres, hein? Bon, on va prendre une main qu'il y a ici. Y a-t-il une main qui voudrait venir piger? Alors, c'est pour gagner les billets de spectacle. Continuerez de partager, hein? La poule, là. OK. Alors, c'est Christine Fernandez. Alors, je vais vous montrer. Christine Fernandez, d'après moi, c'est en France. Christine Fernandez, ouais. Oui, alors. Christine Fernandez, je vais t'appeler et on va filmer cela. Mais je t'appelle avec Messenger. Donc, dans pas grand temps, tu auras un appel de moi. J'espère que tu seras là pour te dire que tu as gagné une paire de billets pour le spectacle dans ta région, mais sauf que si tu es en France, on va être dans la merde. On va trouver un autre truc. Bon, mais j'appelle dans un. Alors, je m'apprête à appeler sur Messenger vidéo Christine Fernandez pour lui dire qu'elle a gagné. On essaie ça. Est-ce que ça peut sonner? Oui, oui, ça sonne. Oh, mais allez, ça dit que ça allait déjà occupée. Bon, on va s'en reprendre.